Chaos, la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Néo à Bourges sur le 100.0, à Toulouse sur le 94.8 et à Paris sur le 95.2. Ce soir dans Chaos, l'émission culturelle de Radio Néo, c'est le grand retour du débat littéraire de saison avec une fine équipe de critiques réunie cet automne par Thomas Corlin, que je remercie. Je suis Judith Maillère et en ma compagnie ce soir se trouve Clémence Pouletti. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Julien Barret, bonsoir Julien. Bonsoir. Et enfin, Jean-Philippe Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Avant de vous livrer nos conseils de lecture et de parler d'actualité du monde littéraire, nous allons discuter ensemble de trois romans de la rentrée d'hiver. Au pays qui te ressemble, le premier roman de Lisa Ginsburg, traduit de l'italien par Martin Rueff et paru ce mois-ci chez Verdier. L'explosion de la tortue, nouveau livre d'Éric Cheviard, aux éditions de Minuit. Et un phénomène, pour ne pas dire... Le phénomène de ce début 2019, publié aux éditions Alia, coécrit par Capucine et Simon Johannin, Nino dans la nuit, qui a d'ailleurs inspiré ce morceau, Ancilla Domini. Il y a du monde, des copains tous partisans de la fête, juste des gens qui volent quelques heures sous des lumières moins blanches que celles que nous sert le jour. On s'en fout un peu tant qu'il y a à boire, que la musique est bonne et que le soleil reste caché. Après cette mise en bouche, je vous propose donc d'évoquer dès maintenant Nino dans la nuit. Il s'agit d'une récidive pour Simon Johannin, qui a publié il y a 2 ans chez le même éditeur L'été des charognes, prix de la vocation 2017, et fait assez rare en littérature, ce nouveau texte est coécrit avec sa femme Capucine Johannin, également photographe. Alors ce roman, paraît-il, s'arrache déjà en librairie, il est très médiatisé et il est en lice pour le prix Anaïs Nin, le prix Castel du roman, et il figure même parmi les finalistes du prix RTL Lire. C'est une sorte de chronique de la galère d'un jeune couple, du point de vue de Nino, entre Paris, la banlieue parisienne, Bruxelles, dans une langue très crue, argotique, inventive, survoltée, où Nino et Lallée, sa compagne, enchaînent les petits boulots au black, se droguent à longueur de temps, squattent en Seine-Saint-Denis, et si on accompagne bel et bien Nino dans la nuit, entre fêtes et boîtes de nuit, le livre s'ouvre dans un univers totalement différent, c'est-à-dire à la Légion étrangère. Si vous êtes d'accord, on va lancer tout de suite les hostilités et on va se demander si Nino tient en effet, d'après vous, de la révélation littéraire de l'année ou bien s'il s'agit d'un énième effet de traîne dans notre pays, toujours nostalgique, me semble-t-il, plus d'un siècle après, des fulgurances de Rimbaud. Jean-Philippe. J'ai pas vraiment pensé à Rimbaud, d'ailleurs, je dois dire. Mais j'ai trouvé que c'était assez cinglant. En effet, il y a une vitalité dans ce livre. Bizarrement, les premières pages, heureusement qu'elles se poursuivent pas sur 200 pages, parce que j'aurais pas tenu le coup. La Légion étrangère, bon. Tu peux nous dire un peu en quoi... Enfin, comment ça ben, ça non, mais on est tout de suite, en effet... In medias res, en fait, on tombe. C'est en fait une espèce de sélection pour intégrer la Légion étrangère. Par chance, le narrateur y échappe, donc tant mieux. Tant mieux pour nous. Et pour le lecteur aussi, oui, c'est vrai, je trouve que c'est très cru, notamment par rapport à. On dirait Full Metal Jacket le début. Exactement. In medias res, on est plongé vraiment dans le truc. Ouais, j'ai pensé à Kubrick aussi. Bizarrement, le film, je trouve, tient mieux la distance que les premières pages. Mais après, tout de suite, il nous instaure tous les deux. Il nous met dans un décor et dans une ambiance qui est beaucoup plus prenante. Je trouve que les pages qui sont les pages d'aliénation à l'usine, les pages d'entreprise, ça décrit ça de manière extrêmement violente et en même temps assez réaliste. Un peu excessive quand même, non ? Je sais pas, je peux pas juger, je vis pas cette situation-là. Après, je trouve qu'il n'y a pas de mépris de classe de leur côté et ils font pas semblant d'eux. Après, peut-être, hein, je sais pas. Oui, oui. Je suis d'accord. C'est assez bien rendu dans l'écriture. J'aime beaucoup le rapport à la sexualité dans le livre, comment on décrit cette espèce de jeunesse qui ne s'en sort pas, mais comment le désir est là quand même. Je sais pas, j'ai été assez convaincue, je dois dire, par ce livre, vraiment. Et toi, Clémence ? Alors oui, pareil, les 40 premières pages à la Légion, ça ne m'a pas du tout plu. Je me suis dit, oh non. Et puis ensuite, quand ça démarre, j'ai beaucoup aimé. Il y a une dimension sociale qui est très intéressante dans le livre. Tout ce que ça dit de cette jeunesse qui est finalement une jeunesse assez marginale, qui est en dehors de la société. Ça, c'est très intéressant. Après, j'ai trouvé que
Bon, il y a des fulgurances également dans l'écriture. Il y a parfois des phrases qui sont absolument sublimes, une poésie qui m'ont beaucoup touchée. Après, voilà. Ce qu'il y a, c'est que j'ai trouvé que de temps en temps, c'était peut-être un peu too much, un peu excessif, un peu presque cliché. Ces soirées pleines de drogue, tout ça. Bon, on se demande si c'est réel, si vraiment ce Nino qui a l'air pas si grand, pas si... un peu immature, un peu oui, juvénile. Oui, et puis surtout, moi, je pensais à sa corpulence parce que je m'imagine une espèce de mannequin. Et puis, il arrive à s'ingurgiter tout ça dans une nuit sans en mourir, avec une chance qui est réellement... Non, mais il termine dans les chiottes, il sait plus ce qui lui arrive. Oui, ouais, mais il s'en sort quand même. À chaque fois, il y a cette espèce de chance qu'il est jeune. Oui, et je me suis dit, bon, voilà. À part ça, non, c'est vrai que c'est un très bon livre. Je l'ai lu en une nuit. Je l'ai dévoré. Ah, mais ça marche bien, ouais. Nino dans la nuit. Exactement. Par contre, c'est vrai que bon, je ne suis pas certaine qu'il restera comme un de mes... un de mes livres fétiches, un de mes livres de chevet, je ne suis pas certaine de ça. Je n'ai pas envie de m'y replonger immédiatement, alors que dans d'autres, si. Et puis, j'ai été, oui, un petit peu déçue parfois, et je ne veux rien dire de la fin, mais elle m'a un peu... J'étais un peu déçue de la fin. Ah ouais, ouais. Et toi, Julien? Parce qu'il y a une fin qui est un peu abrupte, qui tourne court. Oui, et puis même ce revirement de situation... D'ailleurs, il y a plusieurs revirements. Oui, je pensais à celui concernant Nino. Ouais. Ce qui lui arrive à la fin, je me dis, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on s'attache aux personnages. Ouais. Et je voulais aussi parler de leur amour, que j'aime beaucoup la manière dont ils écrivent cet amour, qui est passionnel, fusionnel, qui me plaît beaucoup, c'est très romantique. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a tous ces côtés où, bon, on trempe dans l'univers de la drogue, l'univers qui... Moi, je connais pas tellement ces espèces d'allers-retours en Belgique. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on s'attache à eux, on stresse avec lui quand il fait ces petites transactions illégales. Récemment, on a beaucoup parlé de Fief de David Lopez. Ah oui. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Ouais. Ça m'y a fait penser à ceci près qu'il y a un côté documentaire dans Fief où vraiment, il documente très précisément et les premières scènes sont très longues, la façon de rouler un joint, la façon dont la très grande banlieue vit en marge de Paris, entre la campagne et Paris. Ici, c'est moins difficile à définir, mais on doit être au bout d'une ligne, j'imagine, Bobigny ou quelque chose comme ça, Paris d'une Nord. Ligne de métro, à la lisière entre le RER et le métro, j'imagine en zone 2, entre la lisière et la zone 2 et la zone 3 de la banlieue. Et il y a un squat, mais c'est pas vraiment un squat, c'est payé. On est toujours entre quelque chose de réel et quelque chose d'un peu exagéré. Et il y a des scènes de films. Au début, j'entendais « Ferme ta gueule !» dans Full Metal Jacket quand il se fait hurler dessus. Aussi, il y a ce topos, on pourrait dire, du mec qui transporte de la drogue ou des diamants, ou de la drogue et des diamants, et de l'argent, de la drogue et des diamants. Et en même temps, il se défonce et tout ça part dans des strates qui sont assez peu réalistes. Mais relativement à ce livre de David Lopez qui a beaucoup fait parler de lui, je trouve que là c'est plus vif, c'est comme un côté plus fictionnel. Les phrases, elles sont super rapides, chaque phrase c'est un souffle quoi. On est porté dans une oralité qui, je trouve, fonctionne bien, avec parfois des accès de poésie. Quand il dit, par exemple, la barque du soleil a traversé le monde souterrain, il y a des passages comme ça où il est dans l'amour et un peu dans la défonce. Ou quand il décrit Paris, il dit, je suis passé du Paris où il y a de la place pour rien à celui où il y en a trop pour tout. Et on est dans un style qui nous prend en haleine, dans un parler de la rue. La description des drogues est vraiment très précise quand il dit que la kétamine qui me propulse debout sur une putain de barque dans une mer qui bouge trop... Ça me semble assez réaliste. Alors on a un expert de la kétamine. Et quand il dit « me voilà de nouveau le yes man que je redoute », c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut plus dire non à rien une fois qu'il est lancé comme ça dans une soirée où l'alcool et la drogue se mêlent, c'est vraiment des bonnes trouvailles stylistiques. Et d'ailleurs, je suis d'accord, et je trouve que plus que Rimbaud, moi, ça m'a fait penser à des cuts du Festin nu de Burroughs sur la drogue. Il y a ça. Et je trouve que les zones, en effet, intermédiaires, les zones parallèles entre ville et banlieue sont bien rendues, parce qu'il y a un effet, on ne sait pas, en effet, si nous sommes dans la réalité, dans un imaginaire, il y a l'interstice qui est toujours proposé au lecteur. Et ça, c'est très bien rendu. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, quand j'en ai noté plusieurs, en effet, mais il y en a une que j'aime beaucoup sur cette fraternité.
Et le narrateur Nino dit un désaxage qu'on a tous en nous et qu'on veut pas corriger. Ouais, et alors heureusement qu'il y a un peu de lucidité, je trouve, parce que c'est vrai que c'est très très beau au niveau de la langue, à tel point, comme tu l'as dit, que parfois ça c'est un peu complaisant, je trouve, puisqu'il y a une facilité comme ça dans le flow, ouais, et qui parfois peut se laisser aller à quelques, oui, à une certaine complaisance. Mais heureusement, je trouve qu'il y a quelques traits de lucidité et même d'humilité parfois quand on les renvoie à leur jeunesse débordante, parce qu'ils sont en colère contre tout, Nino et sa compagne Lallée, mais il y a des moments où ils sentent bien qu'ils vont rebondir quand même. Enfin, ils n'ont pas le choix, surtout. Ils n'ont pas le choix. Bah, Ils ont le choix. En fait, ils ne veulent pas être exploités par ce système qu'ils considèrent comme capitaliste. Mais ils sont quand même exploités un peu. Mais tout à fait. Non, mais je vais pas faire ma vieille conservatrice pour dire ces petits jeunes, il faut qu'ils bossent et tout. Sérieux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Cadre supérieur. Au moins. Voilà. Mais l'impression que ça donne, c'est qu'ils sont tellement en train de tout rejeter qu'ils ils prennent des risques, non seulement avec les drogues, les trafics, etc., mais c'est autrement plus coûteux en énergie de faire tous ces trafics entre Paris, la banlieue, Bruxelles. Il n'y a pas la crainte de mourir, c'est ce qui est beau dans le livre. On sent qu'ils sont capables d'aller très loin. Mais du coup, il y a un flirt. Ça, c'est le côté rimbaldien. Ouais. En effet, ouais. Je trouve, il y a un flirt avec la mort et une condamnation du reste de la société qui, au bout d'un moment, est quand même un petit peu discutable, je trouve. Et le narrateur finit par dire « Ma petite misère et mon gros égo zigzaguent au milieu de la rue entre les poubelles et les stores. » Eh bien, je trouve que ce moment d'humilité est quand même bienvenu. Vas-y, je t'en prie. Excusez-moi, je croyais que vous aviez terminé. Non, je voulais juste faire un petit clin d'œil au personnage de Malik que j'adore. Et je trouve ça génial dans la littérature de voir une amitié entre un homme homosexuel et un homme hétérosexuel. C'est assez rare et ça m'a fait du bien de lire ça. J'ai bien aimé c'est la pas si rare quand Drag même. Queen, ouais, il se déguise beaucoup. Oui non mais Malik il est queer vraiment, ouais. Il est pas drag queen, il est queer. Enfin, ça existe. Non, c'est vrai que c'est. Moi, j'en ai peu lu. C'est pour c'est ça. Donc, ça m'a fait plaisir de lire ça. Oui, voilà. C'est un milieu hyper mixte. Et ça, c'est vrai que c'est agréable. Ouais. J'aimerais souligner un trait stylistique qui vraiment, c'est le jeu. Hein, donc, c'est à première personne. Alors que le Lisa Ginzburg, évidemment, c'est le elle, hein, la troisième personne. Alors qu'on a l'impression que c'est en fait un jeu. Et le jeu, se déplace et se métamorphose en tu. Oui. Peut-être quand il y a quelque chose, une tension plus forte, une tension de l'amour, et le tu, c'est souvent l'al ou l'allée et ses copains du style tu m'as pas trop fait la gueule quand il rentre. Ça fonctionne, je trouve. Ce qui serait intéressant de connaître, mais moi j'ai pas suffisamment lu les interviews des deux auteurs, c'est comment ils ont fait ce travail à quatre mains d'écriture. Parce qu'elle est photographe, nous dit-on. Lui, il a déjà publié un livre. Oui. Comment ils ont fait cette couture, cette dentelle du texte. J'ai lu quelques interviews et d'après ce que j'ai compris, elle est assez forte. Disent-ils, ouais, pour le scénario et d'accord, tout ça. Et lui, plus pour les scènes ultra précises, quoi, les d'accord, gros plans. Mmh. Oui, il disait qu'elle était la structure narrative et que lui était la poésie, qui laissait déborder son lyrisme, mais elle qui arrivait à le canaliser. Je trouve ça très beau. Quand j'ai vu leur tête, je me suis imaginé tous les deux ensuite en lisant le livre. En tout cas, il y a du punch. Et bien sûr, ces bonnes paroles, je propose que nous écoutions.